Nouveau rebondissement dans la complexe affaire Tapie en France. À l'issue d'une garde à vue, l'ex-sous-magistrat Pierre Estoux a été mis en examen hier pour escroquerie en bande organisée. Il était l'un des trois juges du tribunal arbitral qui a décidé en 2008 d'octroyer 403 millions d'euros à l'homme d'affaires dans le litige l'opposant au Crédit Lyonnais à propos de la vente d'Adidas. Selon l'Express, Bernard Tapie et Pierre Estoux se connaissaient avant le lancement de cette procédure. Estoux aurait eu un livre dédicacé par Tapie et il connaissait aussi l'avocat de ce dernier, Maître Lantourne. Un soupçon de conflit d'intérêts pèse et les juges se demandent si l'arbitrage est bien légal. L'État veut lui aussi toute la lumière et va se constituer partie civile. Parallèlement, une autre procédure a été engagée contre l'ex-ministre de l'économie Christine Lagarde qui avait décidé de recourir à cet arbitrage pour solder le contentieux. À l'issue de son audition, l'actuelle directrice générale du FMI a été placée sous le statut de témoin assisté. Elle a toujours démenti avoir agi sur ordre de Nicolas Sarkozy, malgré les liens de l'ex-président avec Bernard Tapie.